Et salut à tous, on se retrouve sur Mindtest for Fun les amis, j'espère que vous allez bien. Yeah! Ça fait un sacré moment une fois de plus, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est les études d'abord, sauf que là on a le week-end de l'Ascension, ce qui fait que je me libère un tout petit peu de temps pour tourner cet épisode à l'arraché. Hein, d'ailleurs j'ai toujours un joyeux boxon sur moi. Enfin bref, donc depuis la dernière fois, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Non pas de ce côté-ci, puisqu'on a toujours les petits bouts de forêt, mais de ce côté-là. Puisque tout simplement, j'ai pris un peu de temps et une pelle au mithril pour dégager un peu cette falaise. Et je trouve assez rigolo, ça ressemble un peu à du coup, une espèce de dirigeable qui se serait planté dans le mur. Mais enfin, du coup là, tout le sable qui était là quasiment a été enlevé. Alors pour ça je me suis pas embêté, hein, parce que vous voyez ça fait quelques petits coffres, hein. J'ai pris tout simplement, j'ai tapé à chaque fois le sable du bas, et ceux de dessus se sont magnifiquement écrasés, démonstration, voilà. Et du coup avec une pelle au mithril c'est très très vite réglé. Donc en fait ça paraît énorme, hein, il y a, si je me trompe pas, attendez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On c'est 15, ça? 1, 2, 3. J'ai planté. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y en a 13 fois. On va dire à peu près 13 fois 6. En gros, hein, parce qu'il y a encore quelques trucs qui sont passés loin. Donc 13 fois 6, ça nous fait à peu près 7, 78 stacks. Donc plus de 7500 blocs qui sont partis. Donc c'est une bonne chose de fait. Voilà. Ensuite, niveau de nouveauté sur MFF aussi, bah vous avez vu, j'ai fait un petit pont là, inspiré de ponts qui existent vraiment. Donc vu de côté, il donne assez bien. Dessus, je suis pas 100% convaincu quand je promène dessus, mais enfin, ça passe. Peut-être qu'il faut que j'allège un petit peu cette barrière, que je mette qu'un de large et pas deux. Ce sera fait en temps voulu. Voilà. Et ici, nous avons des rochers qui se sont détachés de la falaise et qui sont tombés jusque-là. Alors ça, là aussi, encore un petit peu de boulot, mais je trouve que ça donne assez bien et du coup, ça justifie le fait de poser un tunnel. Enfin, j'ai dit poser, le creuser plutôt. Avec un sol un sol qui est fait en limon si je me souviens bien. J'ai trouvé cette texture très cool parce que ça rend vraiment comme le sable en version humide. Donc voilà, du coup on se promène là-dessous et en fait il y a des infiltrations d'eau et du coup ça trempe. Voilà, merci le roleplay. Et après on rejoint le petit chemin fait par Uraza. Youhou! Et puis là au fond, bah, ça, vous connaissez, hein, le port, l'usine publique. Voilà, c'est en train de charger gentiment. Et sinon, alors, nouveauté, très très chouette. Si je regarde mes FPS actuellement, je suis à. Ouais, si je désactive la vue comme ça, je suis à 55-56 images par seconde. Avec une distance de vue largement augmentée, tout simplement parce que la version dev de Mindtest inclut 2-3 optimisations qui permettent de regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. À performance égale, je soupçonne qu'en fait c'est simplement, si je prends le bloc qui est juste là par exemple, il y a des faces qui sont totalement cachées, hein. Celle qui est juste ici, quand je suis là, elle est cachée, et je soupçonne qu'il doit les masquer, je ne sais pas, je ne connais pas le code de Mindtest, mais apparemment il y a eu des belles modifs qui ont été faites, et c'est pas tout, je sais, je parle de modifs, mais il y en a une qui est, je pense, encore plus importante que toutes les autres. Parce que c'est bien joli que je fasse un peu de boulot, c'est bien joli de faire du. Qu'il y ait des améliorations dans le code. Mais finalement, par rapport à Mindtest for Fun même, le serveur, on avait un problème où il y a un peu tout le monde qui s'en plaignait, mais jamais au bon moment, jamais de la bonne manière. C'était les mobs. Si vous regardez moi par exemple, je suis tout le temps en train de promener sur l'île du spawn par peur d'aller affronter les mobs parce que honnêtement il faut être un peu psychopathe pour y aller. Hein, ils sont dangereux, ils sont cruels, ils arrivent, ils vous tapent dessus et vous êtes mort direct, vous avez rien compris. Il suffit qu'un poil de lag et c'est cuit. Et alors là-dessus, il y a une excellente nouvelle. Oula!
Oh, les jolis dégâts faits par quelqu'un de peu consciencieux. On va reposer un. J'ai des sapping sur moi, on va reposer. Je pourrais reconstruire les arbres, mais autant poser des saplings tant qu'à faire. Voilà, et puis ça on va enlever. Ouais, bon, il y en a encore dessous. Ok, alors, tac. Sapling aussi. Yes. Voilà. Ah, ces gens qui font des dégâts. Enfin bon, c'est pas grave. Donc je disais, on avait un gros souci. Non mais t'es sérieux là? C'est genre t'enlèves un petit bloc puis tu te barres. Le grief. Ce qui se passait avec ces mobs, c'est que c'était trop dangereux et ils ont été complètement nerfés. Tout le système a été changé en fait. Et Mathes for Fun n'est désormais plus un serveur qu'on peut considérer comme hardcore. C'est un serveur qui n'est pas forcément super facile. What? Ah, ok, d'accord. Mais pourquoi je peux pas le casser ce machin-là? Ce reste du lag. Si je regarde le statut. Ah oui. Ah, c'est protégé. D'accord. Je pensais pas que j'étais en zone protégée. Ok, voilà, on va enlever la vue à pleine distance. Ça marche beaucoup mieux. Et donc, nos gentils mobs, là, ici présents, font mal. Oui, mais ils font nettement moins mal qu'avant. C'est que je pouvais voir. C'est comme ça. Coucou toi. Ouais, lui il a 24 HP. Normalement, il devrait plus en avoir que 15, je crois. C'est en fait, il y a eu un nerf sur les mobs. C'est pas encore totalement actif, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 vieux mobs qui traînent, comme celui-ci. Salut toi. Voilà, vous avez vu, lui il était à 12. Il vient d'apparaître, il vient de spawner, et puis il est nettement moins fort. Et du coup, bah, même comme ça, à la main, sans avoir d'armes, je peux. J'ai des chances de survivre contre lui. Alors, oui, j'ai une armure petite, légère, pas très efficace, mais enfin elle existe. Donc là-dessus, bah, ça veut dire que ce sera beaucoup plus accessible. Et finalement, le but, c'est quand même que le jeu soit jouable par tout le monde. Ce qui n'était pas toujours le cas. Hein. Il y a. D'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, je me suis rendu compte que il y avait tous les anciens joueurs de MFF quasiment qui se retrouvaient sur le serveur de Paligé, qui s'appelle Mintest avec Y. Que t'as un serveur très chouette, hein, si vous voulez aller faire un tour, mais faites-vous plaisir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, il y a quand même un sacré bug. Sur Mintest, je voyais un lag pas possible, je voyais des. C'est un tout petit serveur niveau puissance, et pourtant il y avait plus de gens que sur MFF, tout simplement à cause de ces méchants mobs. Voilà. Alors là, on a un marquage du sol, l'ancien emplacement où il était, hein, j'ai aussi tapé ici. Voilà. Donc ça en fait beaucoup de choses. Ça fait déjà 8 minutes que je parle, comme ça, sans m'arrêter. Mais on a quand même un épisode à tourner. Et le sujet de cet épisode, c'est qu'on va faire un peu de terraformation, histoire de rendre ce terrain un peu plus joli. Hein, parce que, ben, voilà, donc j'ai déjà fait beaucoup de choses. Hein, ici, tout ça a été couvert de terre, remplacement du sable. Le sable qui est toujours là. Mais évidemment, ce n'est pas fini. Il y a aussi toute la paroi là, où il faut refaire quelque chose un peu plus joli. Hein, j'aimerais plus du tout avoir cette terre qui dépasse comme ça. Et puis ben pourquoi pas reverdir un peu plus encore. C'est vrai que là j'ai verdi un coup, mais pas forcément assez. Et pour verdir la terre sèche comme ça, il y a une astuce très simple, très efficace. C'est je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Donc dans le doute, c'est vous prenez un seau d'eau, vous balancez votre seau d'eau et vous le laissez travailler. Voilà. Et du coup on va aller faire un peu de pose de bloc. Et en fait, je vais la faire avec vous tout simplement parce que comme ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu en même temps. Alors, tac, deux de trois autres trucs encore qui ont changé. Comment je fais mon appel? Ah, l'appel se fait que dans un sens. Ok, auto pour moi. Oui, j'aurais pu faire une pelle en mithril, mais non, quoi. J'ai déjà assez donné avec le mithril ces temps. Voilà, donc en fait, comment on va faire pour poser nos blocs? C'est qu'on va les poser en suivant ce qu'on appelle les courbes de niveau.
Les courbes de niveau, c'est des lignes qui sont à la même hauteur partout. Par exemple, là, si vous voyez, là, je suis une courbe de niveau, c'est-à-dire que je suis toujours à la même hauteur, en train de me déplacer. Si vous regardez bien, le terrain génère automatiquement, la suit relativement bien. Là, il y a une petite zone plus escarpée, mais globalement, ça marche très bien. Ok, donc là, c'est en train de travailler avec mon seau d'eau, hein. Ça va gentiment détruire en fait l'herbe, qu'elle soit sèche ou mouillée. Et ensuite, eh ben, quand elle repousse, elle est forcément verte. Oui. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai posé mon truc et je vais suivre ma courbe de niveau, sachant qu'on veut, après avoir une rivière là qui coule à terme, la rivière suivra le long ici et elle repartira par là en direction du pont puis de la mer. Alors, donc là, je vais suivre comme ça. Je vais juste faire le tour pour l'instant. Tac. Voilà. Voilà. Puis on n'hésite pas à faire des petites zones un petit peu qui reviennent en arrière ou qui repartent en avant comme ça. Le but, c'est de casser une monotonie. Si j'avais fait tout droit là, ça aurait fait juste moche en fait. Ok, et puis là maintenant on va tourner, mais pour tourner de nouveau on se donne un peu de place pour faire le virage. Je pourrais même faire comme ça un de plus, hein. Peut-être pas deux quand même. Faut quand même que ça tourne une fois. Voilà, et là on va partir à 45 degrés. Et là d'un coup, tac, je casse le 45 degrés tout en remettant derrière, en mettant deux blocs. Et au final, ça fera un terrain qui aura un côté naturel, même si c'est entièrement bien sûr fait par mes petites mimines. Voilà. Et là, je reviens par là. Et je suis content. Yes. Ok, maintenant, on va poser l'intérieur pour remplir. En tout cas, un bout, hein, parce que... Ensuite, il faut penser que... je vais me retrouver avec cette place-là aussi à avancer un peu. Vous voyez, bah là, typiquement, j'ai pas suivi la courbe de niveau parce que j'avais pas encore dessablé. Et comme vous le voyez, c'est vraiment très droit, très moche, hein. Donc on va pas hésiter. On peut même tout de suite tracer la nouvelle courbe qui sera au-dessus. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Et pourquoi pas, vous voyez là, on peut aussi, n'hésitez pas à reprendre le même décrochage, mais en le décalant d'un petit bloc. Comme ça, vous modifiez un peu la structure du terrain, tout en restant relativement naturel. Tac, et là, je vais revenir en arrière. Alors, tac. Ok, et ici... On n'est pas trop mal, on va compléter comme ceci. Ouais, ça donne bien. Alors bien sûr, la nuit tombe. Et je crois qu'il y a quelqu'un sur le serveur. Oh, et je n'ai plus de torches. J'ai eu la bonne idée de mourir l'autre jour et visiblement, je n'ai pas repris mes torches. Ah oui, et petite précision aussi, je me suis mis en... J'ai enfin pensé à regarder un peu à quoi servaient les classes. Et j'ai découvert la classe Hunter, le chasseur. Parce que vous savez peut-être ou peut-être pas, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant jusque-là parce que ça m'intéressait pas trop. Sur Minecraft for Fun, vous pouvez avoir, vous pouvez vous attribuer une classe comme dans un jeu de rôle finalement. Et là, je suis dans la classe chasseur qui donne, enfin de base on est aventurier. Et là, je suis chasseur. Le chasseur, au lieu de l'aventurier peut courir pendant 10 secondes de suite. Le chasseur pendant 40 secondes. Yeah! Donc du coup ça me permet d'aller beaucoup plus loin pour faire la même chose. Et je précise que ça c'est sans toucher au... Ces 40 secondes c'est sans armure. Je crois qu'il y a encore un bonus supplémentaire si vous avez l'armure complète du chasseur. Mais honnêtement vous avez vu j'ai pu faire longer toute la côte là avant d'être essoufflé. Donc c'est vraiment top, ça me permet d'aller un peu plus vite. Voilà, après, c'est vrai que dans l'absolu, j'aimerais bien avoir moyen d'aller encore plus vite, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Je pense qu'on va faire un petit circuit de train, en fait, de minecart, qu'on mettra sous terre. Une ligne de métro, en fait, qui va relier entre ici,
Ici, la maison romaine, le spawn, et probablement de l'autre côté aussi, hein. On ira voir chez les autres gens. Mais ça, on posera gentiment, hein. Je n'ai toujours pas beaucoup de temps, j'aimerais beaucoup le faire, mais je ne sais pas si j'arriverai. Donc voilà, vous pouvez voir ça comme un projet à long terme. Alors, on va s'embarquer un petit stack de torches, on est content. Les feuilles qui sont juste là, je n'en ai pas besoin. Celles-ci, je peux les balancer, elles seront transformées en carburant, qui va bien. Et puis, est-ce que je voulais prendre autre chose ici? Je ne crois pas en fait. Je ne crois pas. Alors. Voilà, le revers de la médaille pour le grand sprint, c'est que bien sûr, si vous sprintez 40 secondes, après il faut 40 secondes pour recharger. Mais globalement, je trouve que. Enfin, j'ai l'impression d'aller quand même plus vite. Allez, cours! Bon, c'est pas tout ça, mais on se retrouve quand on est arrivé, hein. À toute. Et ok, les amis, on se retrouve. Alors, j'ai fini de remplir ma terre là. Et comme vous voyez, l'herbe est en train de pousser. Ça pousse à toute vitesse, tout simplement parce que je suis parti pendant un instant. Et puis voilà, du coup, il m'a retrouvé d'un coup, il était content, donc il a fait tout pousser. Voilà. On va aller enlever ce seau d'eau. Comme vous voyez, il y a plein de terre toute nue maintenant. C'est pas parfait, mais c'est pas forcément le but, hein. Limite, un ou deux petits endroits où l'herbe est un peu plus sèche, c'est pas grave. Je pense que ça peut rendre assez bien. Tac, et on enlève l'eau. Ouais, alors des fois l'eau elle peut planter, hein, parce que surtout quand il y a énormément de blocs d'eau coulante comme ça qui se promènent. Alors si jamais il y a une astuce, vous allez dans votre chat et vous tapez slash map fix. Là on n'en a pas besoin, pour l'instant ça marche très bien, mais si jamais vous lancez cette commande, tout le monde peut l'utiliser. Et si vous êtes à proximité d'une source d'eau qui par exemple refuse de couler, ce qui arrive des fois, eh bien vous lancez un petit map fixe et hop, ça recommence à couler. C'est une petite commande interne à Mindtest, hein, c'est pas grave si vous l'utilisez, vous savez. Vous avez le droit. Je vous le permets. Et pas que moi. Ouais. Et puis j'en ai profité pour mettre un petit truc en plus là. Une espèce de petit saillon comme ça. Depuis la route. Ce qui permet de casser un peu la monotonie ici, puisque c'est une zone assez plate. Après, ça sera entièrement recouvert d'arbres comme là-bas. En fait, on va faire une espèce d'immense forêt enchantée juste là. C'est l'envie que j'ai en ce moment. Donc, c'est ce qui sera fait. Mais je pense que les arbres seront mis à peu près en dernier quand on aura fait complètement refait cette rivière de façon plus agréable à l'œil, n'est-ce pas? Ok, alors maintenant, on a encore un petit peu de temps. Puisque si mes calculs sont exacts, nous sommes autour de 18 minutes. Des éménettes. Ah là là, je dois faire vite. Alors, maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a ici un arbre qui est un pauvre malheureux. Pourquoi? Parce que bon, il est tout droit, ok. Mais si vous regardez bien, il est un petit peu à côté de la route, puis il est au niveau du sol d'origine. Donc, ouais, ça pose des petits soucis. Donc, ce qu'on va faire. C'est qu'on va décaler notre arbre un petit peu. Et comme on va être un peu, on va faire ça un peu à la fifou, on va le décaler, mais sans déplacer le haut en fait. On va juste le faire pencher au-dessus de la route. Je pense que ça peut être très très sympa. Alors pour ça, j'aimerais que tantôt vienne. J'aurais pu prendre une hache, c'est vrai. Mais en même temps. Hop là. Alors, on va le faire pencher. Je pense que on va remonter d'un cran la terre, quitte à remettre après du bois, mais je pense que on va le faire comme ça. On va mettre un petit bloc de terre là. Et pouf pouf pouf. Où est-il, mon acacia? Non, je ne voulais pas lancer de flèche. Non, oublie. Oublie. Bon, c'est pas grave, mon arc est prêt à tirer comme ça le jour où j'ai besoin d'une flèche. Oui, c'est l'arc ultime du chasseur que j'ai. C'est Blanche-Neige qui va pas être contente. Non, je ne sais pas. Il faut que je voie Blanche-Neige et le chasseur, un de ces quatre. Ça n'a rien à voir avec l'épisode. Mais il faut que je le voie une fois. Ok, on enlève ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça?
si on fait abstraction du fait que notre arbre est en train de voler. Nope, absolument pas. Il faut remonter d'un cran en tout cas. On va le faire pencher depuis plus haut. Alors, yes. Et maintenant, si on regarde comme ça, quitte à remettre au bout après. Ah, je pense que si je le mets en bas, finalement, ça peut le faire. Mais je pense que je vais essayer de pencher un peu les feuilles. Faire un truc cohérent. C'est l'arbre qui était là, puis pouf, il a commencé à pencher tout seul. Ouais, non, en fait. Je suis pas convaincu. J'aimerais bien. Faut que je vois depuis la route. Vous pensez à qui va le voir. Et là, on voit qu'il y a un gros problème là au milieu. Donc il faut vraiment mettre un bloc de plus. Bon, je peux juste décaler le tronc jusqu'en haut en fait. C'est peut-être le plus facile. On va essayer. Wow. Alors, on va le décaler jusqu'en haut. Mais casse-toi, petit arbre. Yes. Ok, alors, bim. Oui, c'est l'astuce que j'ai utilisée hein, pour casser ma montagne. Ça marche, mais seulement si vous êtes en zone protégée. Hein. Ça ne marche pas si vous êtes n'importe où. Parce que les zones protégées sont... c'est une sécurité pour pas qu'un petit malin dépose des blocs au-dessus de votre zone protégée pour vous ensabler complètement votre maison. Tac. Si je le mets comme ça... Bah, il y aurait juste à refaire un peu ces espèces de branchages là, mais sinon ça passe. Et ben voilà, on a trouvé. Wow. Je fais n'importe quoi. Je pense que je vais... Je décalerai ça hors caméra. On va juste faire encore la truc là devant. Histoire que l'épisode soit pas non plus trop long pour vous, hein, n'est-ce pas? Bah vous allez me dire ouais mais on en veut les plus. Ok d'accord, excusez-moi. Est-ce qu'on reprend le rouge? Je pense que on va reprendre le rouge, effectivement. Ouais en fait, je sais pas pourquoi je fais ça, je peux me créer du. Ça, on avait... Je peux me créer en fait ça aussi du coup. Normalement je crois que je peux créer comme ça de la cobble. De la pierre du désert. Yes, bah voilà. Nickel. Ok alors, où est-ce qu'il était lui? Voilà. Donc on va créer une espèce de surplombement rocheux qui sera juste là. Et qui va venir un peu revenir en arrière dessous. Ok. Ouais, ça doit jouer, tac. Et tout simplement, ça va permettre de justifier... ça va permettre de justifier le fait que notre arbre soit un peu biscornu, puisque le terrain n'est pas forcément très stable. Donc, s'il s'effondre un peu potentiellement, notre arbre se décale. Ouais, je referai ça, ces 2-3 blocs là, je les remettrai en plus comme il faut, mais ça c'est pas important. Ok, et là maintenant, on va tirer par là. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Le reste sera terraformé en temps voulu. Je pense que ce sera l'objet d'un magnifique timelapse dans un prochain épisode. Où je vous ferai toute cette zone là en fait. Puisque bien sûr, notre ferme à bois sera au milieu d'une zone totalement herbeuse. J'aurais peut-être, maintenant que j'y pense, pu me mettre directement en zone herbeuse. Ça aurait été plus facile que tout fabriquer soi-même. Mais bon, voilà, hein. On est des fous, on est sur Minecraft for Fun. Et on est là pour s'amuser. Voilà. Du coup, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu court en termes de temps, mais ma foi, c'est comme ça. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée en commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir Minecraft for Fun. Revenez si vous y étiez et que vous n'y êtes plus. Ou venez simplement nous voir. Niveau mob, c'est beaucoup plus agréable qu'avant. Il faut juste penser qu'il y en a encore quelques anciens qui traînent. Mais globalement, ça va aller de mieux en mieux. Ils sont aussi nerfés sur leur vitesse, ils sont nerfés sur leur violence. Donc,
Voilà, normalement, vous ne prenez pas de risques. Le but, c'est quand même qu'on soit un peu nombreux à s'amuser et pas qu'on soit tout seul. Voilà. Ok, à bientôt. Ciao tout le monde.